Ces résultats sont là. Bah, écoutez, nous nous en sommes occupés avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Mais malheureusement, le diagnostic révèle beaucoup d'anomalies. Ah oui. Parce qu'il y a plus de souffrance qu'elle en a d'hématome. Oh. Dites-moi, vous vivez en famille? Oui, Guérisse. La chère mère a tissé des spéciales. Tous ses fils vivent en famille. Dans quel quartier? Dans un quartier injustement dénommé, Thiermont. Et pour certains, il serait mieux qu'on voit tout le développement. Drôle de point de vue. Qui a mouillé? Depuis combien de temps le quartier vit dans cet état? Depuis plus de 59 ans, notre mère vit en réalité dans une dépendance certaine. Ah! Disons 59 ans d'indépendance donc. On pourrait le dire ainsi. Une indépendance pour mère.
Bon. Revenons-en en paix. Voilà. Vous voyez là. C'est la radiographie. Alors, jeunes gens, vous constatez que l'image n'est pas très lisible. C'est parce que le patient fait des crises économiques et politiques permanentes. Ce qui accentue sans nul doute l'instabilité sociale et provoque la fuite des capitaux et des cerveaux vers l'extérieur de la colonne vertébrale. Ces différents facteurs sont très souvent à l'origine de coups d'éclat. Quoi? Pardon, coups d'état. Et ensuite, pour l'examen d'urine, nous remarquons des malversations. C'est-à-dire le détournement du denier public vers la déficit, la mauvaise gestion de l'organisme est ressentie dans toutes les directions administrées et financées par le corps. Et pourtant, elle avait pour conseil, c'est un médecin qui ne lui a jamais dit pas la vérité. Et voilà. Constat. La vraie union est inexistante. La solidarité. Mais plus alarmant encore, et que son corps est corrompu. Quoi? Et de surcroît, l'air des poumons est surfacturé, ce qui explique sa respiration difficile. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, Guise? Notre existence est vide de sens si nous ne pouvons rien faire pour la terre-mère. C'est notre seul trésor. Et son état actuel n'arrange pas le milieu de l'humanité. Vous devez savoir que l'examen du sang révèle des impuretés. Parce que les globules blancs coopérants ont fait salir le sang en laissant pénétrer trop de déchets toxiques. Et tout ce qu'elle mange est à base de substances de synthèse. Aussi, l'environnement dans lequel elle vit n'est pas bien. Soit l'air est pollué, ou les conditions d'hygiène sont non nécessaires. Et on a constaté qu'elle produit ce qu'elle ne consomme pas. Elle consomme ce qu'elle ne produit pas. Ce qui n'est pas bien du tout. C'est beaucoup pour ce bout des formations, Gaïssa. Jeunes gens, je dois vous dire très sincèrement. Que votre terre-mère est très malade. Oui, ça m'en est. Massa yaiboy. Massa. Africa Africa. Africa,
Africa, hey, Africa. Africa, hey, Maninga, Africa. Africa, Africa, Africa. Africa, Africa, hey, Maninga, Africa. L'heure n'est plus au discours, mais aux actes. Mais dis-moi, elle a été hospitalisée combien de fois? Mais deux fois, guérisseur. La première fois, c'était pour soi vivant, ajuster les difficiles quand je parle. Et la deuxième, pour la faire subir une intervention appelée dévaluation. Qui, semble-t-il, n'avait aucun rapport véritable avec le traitement. C'est d'ailleurs depuis cette intervention que son cas a empiré. Deflemme. Je pense que nous pouvons l'aider à prendre l'arche. Oui, c'est possible. Alhamdoulilah. Je vais vous remettre une ordonnance. Et vous allez acheter les médicaments. Oui. Mais vous allez avoir besoin des orientations d'une personne que vous devez retrouver. Qui se fait appeler le sage? Le sage? Il se pourrait qu'il ait des conseils pratiques pour guider la terre-mère dans la voie de la configuration des possibles. D'accord, guérisseur. Sachez que nous sommes ouverts à toutes vos propositions. Voilà. Elle devra prendre un remède appelé proposition de la modernité. Ça devra lui permettre de relancer un projet inachevé qu'elle devra reprendre pour ne pas perdre son humanité. Vous avez des craintes? Vous avez cru que la modernité s'oppose à la tradition de la terre-mère dans la mesure où elle constitue un processus dont l'Occident constitue les lieux originels du développement. Mais dans ce cas, comment la modernité pourrait aider l'Afrique? Bonne question. Vous avez raison de dire que l'Occident est le lieu originel de déploiement. Mais il ne faut pas oublier que la modernité s'est disséminée. Ah bon? Oui. Ces avatars, devenus divers et multiples, se retrouvent dans toutes les aires géographiques et culturelles. Même la modernité occidentale et une synthèse des apports des différents mondes avec lesquels elle fut en contact. Donc, guérisseur, si nous comprenons bien, la modernisation n'entraînerait pas forcément une forme d'organisation sociale. Donc, la terre-mère pourrait procéder à une réinvention de soi et bâtir sa propre modernité, une modernité africaine. Il me semble que votre unique crainte est que vous êtes déchiré entre une tradition que vous ne connaissez plus vraiment, une modernité qui vous est tombée dessus comme une force de destruction et de déshumanisation. Mais
Il vous faudra réarticuler tout ça. Toutes les solutions possibles pour aider la terre-mère sont en vous. Wow! Mungitien! Cessez d'être des imitateurs! Nous sommes parfois contraints d'imiter guérisseuse. La terre-mère est dépossédée de la chose publique. Oui, guérisseur. Force sociale, lobby, firme multinationale, institution internationale, ONG, mouvement religieux, mass media, si à France. Nous ne savons même pas qui définira les buts publics à venir. Et surtout, quel intérêt profitons. Mais également, quel modèle culturel s'imposeront. Sans une souveraineté politique, intellectuelle et culturelle, qui seule permet d'opérer et d'orienter ses propres choix, la terre-mère ne peut pas tenir le pouvoir de sélectionner dans la pluralité. Ce pouvoir, c'est à vous de l'arracher. Ah bon? Toute tradition recèle un capital symbolique et mental à mobiliser et à remettre en action si l'on souhaite actualiser pleinement toutes ses potentialités. Pour cela, j'ajouterai un autre médicament à l'ordonnance, dont la fonction est d'insuffler un courant régénérateur. Mais pourquoi aurait-il besoin de ça? Khaled Ougoun, c'est pour favoriser l'effort d'innovation institutionnelle, économique et sociétale. D'accord, mais écoutez, Église, pourrions-nous parler de nos attentes sur l'état de santé de la terre? Bien évidemment. Mais Église, ce que nous voulons savoir, c'est est-ce que la terre-mère pourrait envisager ces jeunes cultures comme des forces d'adaptation au changement et les mobiliser autour de nouveaux enjeux sociétaux. Voilà ce qui est beau à savoir, guérisseur. Un de nos besoins les plus impérieux est l'élaboration d'une véritable culture démocratique. Une culture démocratique qui libère les intelligences, les forces et les énergies dont on dit nos jeunes et demandant une vitalité. En les faisant participer à l'œuvre de construction de manière collective et individuelle. D'accord. Mais comment peut-on faire pour que la terre-mère ne prenne possession de ses espaces politiques, minés du dedans et du dehors, mais également de ses ressources et repenser ses économies et ses formes institutionnelles? Je vous ai déjà remis mes prescriptions après diagnostic et je vous ai fait un bilan. C'était ça mon rôle. À vous de voir ce que vous allez en faire. Mais, de grâce, votre mère. Lesquelles? L'autonomie et le temps propre. La première permet d'opérer ses choix. La seconde est le refus de la carence imposée de l'extérieur par l'établissement d'un temps propre qui permet de mener à terme ces expérimentations. Et n'oubliez surtout pas
la personne que vous devez retrouver. Et n'oubliez surtout pas la personne que vous devez retrouver. Et n'oubliez surtout pas la personne que vous devez retrouver. Mes chers amis, sachez que vous avez raison. De prendre une décision aussi courageuse. Quelle décision? Plus d'un demi-siècle d'indépendance, à peine un bilan. Vous aviez bien fait d'aller voir les guérisseurs. La terre mère doit se résoudre à son bilan en dressant un constat sans complaisance pour mieux se situer dans la politique mondiale afin de déterminer les bases du renouveau et l'idéologie de la Renaissance. Mais comment avez-vous su que nous allions voir les guérisseurs? Comment pouvez-vous être en connaissance du contenu de nos échanges? Le plus important, c'est ce que vous devez comprendre. Je sais et suis pas mal de choses. Ah bon? Il faut que vous compreniez que penser à la terre mère, c'est parfois cheminer dans une eau incertaine. Le long d'une voie balisée, où la marche est sommée d'hâter la cadence pour rattraper le train d'un monde semble-t-il parti il y a quelques siècles. Alors qu'elle pouvait tout simplement fabriquer son propre train et effectuer son propre voyage, cet effort effréné dans la course des autres l'a certainement épuisé et a causé ses souffrances. Est-ce qu'il serait donc trop tard pour elle de se rétablir et d'effectuer son propre voyage? Non, certainement. Mais comment pourrait-il donc faire pour s'en sortir? Elle pourrait marcher prestement sur le chemin qu'elle se sera choisi en s'assignant la tâche permanente d'articuler une pensée qui porte sur son destin et un projet de civilisation dans le but de faire advenir l'Afrotopos. Afrotopos? Wow! Notre équilibre entre en matière dans son fou délire. Mais monsieur, c'est quoi l'Afrotopos?
Il faut bien lui demander ça. Avant de faire advenir quoi que ce soit, il faut d'abord savoir de quoi il s'agit. Dis donc, calmez-vous, mes amis. Le vocable peut vous paraître à la fois ironique et complexe, mais il est tout aussi intéressant. L'Afrotopos est ici considéré comme l'Atopos de l'Afrique. Ce lieu haute de la terre-mère, non encore habité par cette Afrique qui vient. Il s'agit d'un espace du possible qui n'est pas encore réalisé, mais dont rien d'insurmontable n'empêche l'advenu. L'Afrotopos sera l'état de la terre-mère lorsqu'elle sera guérie de sa maladie. Ah là, nous comprenons mieux. Donc, l'Afrotopos est une forme de genèse renouvelée de la terre-mère. Absolument. Le monde est à recréer et à parfaire toujours. Monsieur, pourriez-vous nous orienter vers quelles solutions pratiques pour aider la terre-mère à transformer sa réalité et faire advenir la Afrotopos? Pauvres jeunes gens, mes chers amis, dire qu'il y a quelques instants, vous aviez cru que serait trop tard pour l'Afrique de s'en sortir. Mais des solutions pratiques existeront tant qu'il y aura des problèmes à résoudre. Modestement, je pense que les orientations pour guider la recherche de solutions se trouvent pour la plupart dans les idées. C'est Khalati Ladek. Kodjo a enseigné que les idées jouent un rôle capital dans la transformation du monde. Et tout processus de changement décisif ne peut s'effectuer qu'en fonction d'une grande vision. Tant il est vrai que tout ce qui s'est fait grand ici s'est fait au nom d'espérances exagérées. Mais en ce qui concerne l'Afrique, les idées de notre génération et celles de la vôtre peuvent être puisées dans les leçons de l'aube. Dans les leçons de l'aube? Mais où se trouvent ces leçons? Nous n'en avons jamais entendu parler. De qui provient-elle? Vous le trouverez dans une utopie active intitulée Afrotopia. Afrotopia? Se donne pour tâche de débusquer dans le réel africain les vastes espaces du possible et les féconder. De manière pragmatique, quelles sont les briques d'idées ressortant de cette utopie active que vous mettez en application en place pour féconder les espaces du possible? À votre place,
J'essaierai avant toute entreprise de faire comprendre à la terre-mère qu'elle n'a personne à rattraper. Ah bon? Oui, personne à rattraper. Sa seule urgence est d'être à la hauteur de ses potentialités. Elle devra aussi comprendre qu'achever le processus de décolonisation par une rencontre féconde avec elle-même est une nécessité. L'Afrique se doit de devenir la force vive de l'humanité. Et pour être cette force motrice, il faut une profonde révolution culturelle. Mais quel est l'objectif de cette révolution culturelle? Si ce n'est de restaurer son image dans le miroir. Non! Il s'agit là d'une vision très simpliste que vous avez là. La révolution culturelle permettra à la terre-mère de répondre aux exigences de sa démographie et de participer à l'œuvre d'édification de l'humanité en bâtissant une civilisation plus responsable, plus soucieuse de l'environnement, du bien commun, de la vie humaine. C'est surtout en faire un individu au meilleur de soi-même. C'est ainsi qu'elle contribuera à porter l'humanité vers un autre palier. Et pour cela, l'Afrique doit choisir. Choisir? Oui, choisir. Il faut modifier la finalité.
la structure et la tendance du bassin économique. En mettant en œuvre des modèles de création et de répartition des richesses, basés sur les besoins des populations et non sur les besoins. Mais tout cela devrait être accompagné de valeurs morales qui l'orientent. Il devra aussi choisir l'humanisme profond de ces cultures. C'est une révolution spirituelle qu'il lui faut opérer en empruntant sans doute la voie du retour à la tradition originelle, moteur de la Renaissance africaine. Et il semble que l'avenir de l'humanité se trouve de ce côté-ci. Asi Bonanga, Asi Bona, Commande la Che, Asi Bona, La Pekona, La Pekona, La Pekona, La Pekona. Ce jour-là, comme aux premières aubes, l'Afrique redeviendra le poumon spirituel du monde. Elle n'a le choix que de prendre à bras le corps son utopie, la malaxer pour la traduire en actes, pour la réaliser et la concrétiser. Tomber cette fois, se relever 8 fois, lutter, agir, persévérer pour vaincre l'absurde équilibre de l'impuissance et par le chemin de l'unité, retrouver grandeur, puissance et dignité.
Oui. Allez, moi, s'il te plaît. Continuité du pièce de théâtre, il y a Michel Lemaire qui vient d'arriver. Tellement ému d'écouter ce que vous avez produit. Félicitations les enfants, merci pour ce que vous faites. Et aussi féliciter Maman Dussel. Réaliser la philosophie de Yeti Bresse, et c'est ça que nous voulons pour notre pays, c'est ça que nous voulons pour notre continent. Ils ont travaillé pendant les semaines et pendant la contrainte, parce que même pris par ailleurs, mais inspiré aussi du livre de mon ami Félixa, et c'est pourquoi j'appelle Félixa pour qu'il nous donne ses impressions aussi par rapport à... par rapport à ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, et Félixa nous revient par rapport à ça. Donc merci. J'aimerais d'abord dire que je suis très ému. C'est toujours quelque chose pour un auteur dans son texte qui est habité par d'autres. Et c'est un essai, au départ, je l'ai cité à la jeunesse africaine et à la jeunesse intellectuelle et intellectualisée. Parce que j'écris par ailleurs dans tout genre, j'écris du théâtre, du roman. Et je pensais que c'était un texte de réflexion qui ne se prêtait pas à la mise en scène. Là, je suis totalement surpris. L'encontre qui se prête à la mise en scène et remettre en scène écrit dans mon cœur. Vraiment, je voudrais le féliciter. J'aurais félicité les actrices et les acteurs. Et j'ai trouvé qu'il y avait un travail dans le texte, un travail de résonance et de compréhension du texte. Parce que j'ai vu qu'il y avait un travail de recomposition, de promotion pour faire sens. C'est pas sur le texte exactement. Mais ça veut dire qu'ils en ont saisi l'essentiel et qu'ils l'ont restitué. Ça me touche énormément. Parce que ce qu'on essaie de faire, c'est de transmettre des idées. Et on se dit que ces idées, elles sont fécondes si elles touchent le plus grand nombre. Mais j'avoue que je ne pensais pas qu'elles allaient descendre à ce niveau. Je pensais qu'elles étaient d'abord adressées aux jeunes étudiants, aux jeunes chercheurs, puisqu'il y avait quand même dedans la modernité, puisqu'il y avait la déconstruction, il y avait l'utopie, etc. Et je me rends compte que cette idée peut être retravaillée, s'étendre, élargie. Et je suis vraiment très heureux de ça. Ils sont très talentueux. J'ai une affection très particulière pour l'usage de la langue et du droit. Je trouve que c'est remarquablement dit, que c'est remarquablement recomposé, repensé. Et ça me réconforte juste dans l'idée qu'en fait, un effort intellectuel, il n'est pas vain si on se l'approprie et qu'on le fait transiter par les canaux importants. Et le théâtre est un canal extraordinaire. Et une parole incarnée, et une parole vivante. Là, j'ai eu le grand bonheur de faire l'expérience d'une parole vivante. Donc, je vous en remercie. Et je remercie mon ami Camille Pen, pour la partie là. L'initiative de tout ça, Yannick Betz et tous les gens de pièces qui travaillent autour d'eux. L'idée qu'on doit semer les graines pour que demain elles fleurissent et que nous devenions notre puissance propre, notre lumière propre. Merci.